Hey! Je crois que c'était Nicole Blassman qui m'a demandé ça. Donc voilà, Subomi. Donc là, je suis à 0,6. Voilà, 0,6, je suis à 20 watts. Je vais peut-être le monter un petit peu plus, je vais le mettre à 22,5. 22,5. À 0,6 ohms. Et ouvert à fond, airflow. Les saveurs, c'est un truc de ouf. C'est juste monumental. Waouh, ça décape. Franchement, c'est juste ouf. Rien à dire. Le juice, c'est du Ben Johnson Cream. Donc, c'est un Custard au cookie. Une merveille. Donc, le montage. Je vais vous le montrer. Donc le montage en fait, donc j'ai vu plusieurs reviews et tout. Donc il y en a, ils les mettaient comme ça en fait, donc en décalé. Donc on va faire ça comme ça, comme ça. Donc ils les mettent en décalé. Moi c'est simple, je les ai mis comme ça. Hop. Et j'ai mis juste un coton. Voilà. Il y en a, ils y mettaient deux comme ça, les deux comme ça, avec un coton là, un coton là. J'ai pas essayé, mais pour moi c'est trop de coton. Voilà. Donc liquide même ouvert à fond, il n'aura pas le temps d'arriver et tout. Moi j'ai préféré y mettre comme ça, je vais vous montrer. Et bah là ça fait à peu près un quart d'heure que chaîne va. Ah c'est excellent. C'est juste ouf. Donc je vais vous montrer que maintenant la nouvelle innovation du Kaifun 4, eh ben c'est pouvoir changer son montage sans vider le tank. Donc en fait il y a juste à tenir cette petite bague là où il y a les trous et puis de dévisser la partie du dessus. Et voilà. Donc voilà comment se présente le montage. On a l'impression en fait que c'est un simple coil mais avec genre 14 000 tours. Je crois que j'ai pas d'autofocus, c'est un peu la merde. Non, j'ai pas d'autofocus. Ouais, j'ai pas d'autofocus. Donc en gros, voilà. Ça va quand même pas mal. Une odeur, mais je kiffe. Donc je vais remettre un peu de juice. Voilà, hop, j'ai pas envie de le sécher. Et puis voilà quoi, c'est juste ouf. C'est juste ouf. C'est un atout de malade. C'est franchement, je le kiffe. La restitution des saveurs est juste monumentale. Incroyable. Et au niveau de la vape, c'est une vape. C'est voilà, c'est inexplicable. Franchement, il vaut son prix. Franchement, rien à dire. C'est un kiff total. Un kiff total, franchement, voilà. Une dinguerie. Franchement, j'ai essayé toute la journée donc le Kaifun 4 de base, donc sans le kit Subaum, avec une résistance à 1,2. Donc j'ai fait un montage à avec du Cantal 0,30 sur un axe de 2, j'ai fait 6 tours. Voilà. Franchement, pas mal. J'aime bien. Maintenant, je le préfère en Subaum. Après j'ai l'habitude de je fais du power vaping voilà, mes montages sont tout le temps sont à 0,40 0,40 ohms voire en dessous 0,04 bref on s'en fout donc je suis souvent en dessous de 0,4 0,6 des fois 0,7 sur mon magma
C'est ma vape. Voilà, donc chacun a son truc, chacun a sa vape. Moi, je suis à 0,6 là sur le Typhoon. Je pense que j'ai trouvé mon truc. Je ferai d'autres tests, je ferai sûrement d'autres vidéos. Franchement, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. C'est ouf. C'est franchement, c'est une belle petite pièce. Airflow à fond, j'ai enlevé la vis du milieu, donc faut démonter. Donc je l'ai enlevé carrément, je l'ai mis dans ma petite pochette. Donc là j'ai l'airflow qui est ouvert à fond. Et franchement c'est aérien. Une dinguerie, franchement une tuerie. Donc allez-y, franchement si vous avez 150 balles à mettre, allez-y. Voilà, je pourrais parler des heures et dire que c'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Voilà. Donc, Nicole Blassman, c'était pour toi. Donc, j'espère que ça t'a plu. Bon, moi, j'ai pas dit extrêmement grand-chose, mais franchement, si tu l'as et que ou que tu veux l'acheter, que tu hésites, franchement, n'hésite pas, c'est une dinguerie. Il est juste top de chez top. Donc, vas-y, fonce. Sur ce, peace tout le monde. Ciao!